Joseph Papi Okata, coordonnateur de la cellule de recrutement national de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, a fait sa première sortie politique avec sa base et c'est samedi 27 août 2022 dans la commune de Bandalungwa. Il a profité d'annoncer sa candidature aux prochaines élections. Clarisse Chibanda et Gianni Menga. Venus des quatre coins de la capitale congolaise, plus de 1000 personnes ont répondu présents à ces rendez-vous politiques, marquant l'entrée politique de l'un de leurs ce samedi 27 août 2022. Joseph Papi Okata, coordonnateur de la cellule du recrutement national de l'Union pour la nation congolaise, a réuni tout ce monde à l'espace Motonamoto de sa commune natale pour en faire sa base. Un seul message à l'ordre du jour, demander à sa base de prendre les choses en main cette fois-ci et de prendre une bonne conscience pour ne plus se tromper dans le prochain scrutin. Nayawa na casquette natif ya Bandal, koya ko senga bana Bandal, tozo biso moko testé na biso na maboko, ça va être. Ya monde to lobby cette fois-ci. Un autre point très pertinent est celui d'annoncer sa candidature aux élections prochaines et de demander le soutien de sa base étant la plus influente de toutes les communes de Kinshasa. Les amis, tout le monde a permis. Tu peux venir. Ouvrir ton église à Bandal. Tu es libre. Et là, bon, t'es. 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 Il y a moins de l'air à Bandal. Est-ce que tu as un souk à Bandal? Si tu as un Bandal, tu as un carcéni. Parce que le partage est équitable. Équitable. Ma maman a mis son Bandal à côté de la Zand. Les loyaux, ma zone est en Dab. Et ça porte comme un banane. Bakuluna. Allez, lobby va utiliser yo. On a 1000 francs, bah lobby ou attaquer un dégonayo. Dans son calendrier, Joseph Papi Okata lance une campagne pour organiser sa base des Bandalungwa, pas une parcelle sans UNC, tout en demandant l'adhésion de nouveaux membres pour accéder aux structures pour en faire des bonnes tribunes. Pour Joseph Okata, personne ne peut aimer ses pouvoirs puisque l'UDPS et l'UNC. Il faut la création de l'union sacrée des intelligents et sans flatterie.